Andorra sera malheureusement indisponible, malheureusement ou heureusement indisponible pour le FC Barcelone pendant au moins 4 semaines, ce qui fait à peu près donc un mois. Donc ce qui est une nouvelle qui peut être bonne ou mauvaise pour le FC Barcelone, qui avec ses supporters le prend plutôt bien. Parce que Ferran Torres, c'est un joueur intéressant. Il a fait certes des matchs bons, mais quand même, face au but, même si ce n'est pas face au but dans les derniers gestes, c'est un joueur vraiment remarquable dans ce qu'il fait, parce qu'il a toujours le don de faire les mauvais choix aussi. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Et donc, ce sable aussi va être l'opportunité pour d'autres joueurs aussi de se montrer du côté de ce Barcelone, parce qu'il y a pas mal de supporters de ce Barcelone qui vraiment sont tristes, mais tristes à moitié pour sa blessure. Et c'est vrai que voilà, on souhaite à qu'un joueur au monde d'être blessé, mais voilà, il y a certaines blessures aussi qui peuvent être bénéfiques pour le club, pour l'équipe, surtout pour atteindre les objectifs du club. Actuellement, le Barça a besoin de trophées, et quand Ferran Torres n'est pas là, donc il y a beaucoup plus de chances pour que cela devienne une réalité. Et voilà, donc pour lui, ça va être quelques semaines d'indisponibilité, quelques semaines bénéfiques pour le FC Barcelone, qui doit profiter pour prendre le maximum de points en championnat et en Ligue des Champions. Et voilà, et comme ça, au moins à son retour, lorsqu'il commencera à faire battre l'équipe, et voilà, il y aura déjà suffisamment de points d'avance qui vont permettre au club vraiment de lancer la saison, et voilà, et d'être donc sur le fond pour tous les trophées.